Yo, what's up? On est vendredi soir. Je viens de revenir de sa mère. Il est 1h du matin. Puis là, ben, je passais devant mon char de turbo. Fait que je me suis dit, je vais aller l'essayer. Dès le coup qu'il marche, je vais le ramener chez nous. Oh. OK. My God, yes. Nice! Fait que dans le fond, on va essayer de ramener ça chez nous sans l'étouffer au cas où ils partent plus, puis nanana, là, fait que vous pouvez me passer par les petites rues. Bon ben, le char s'est rendu, c'est chill. Oh. Je suis content. Fait que dans le fond, je vais rester ça de même pour asseoir, puis je vais checker voir demain qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Fait que là, dans le fond, le but c'est de checker voir s'il part pas, mais s'il part, je peux pas checker voir pourquoi que ça marche pas, parce que tout marche s'il part, fait que. Première étape, essayez de voir si le char est pas. Ok. Bon, ben dans le fond, en réalité, je m'en vais à l'épicerie. Fait que ça me donne encore l'occasion de pas partir un peu plus tard. Là, t'sais, on va tester le char un peu. Là. Fait que. J'espère juste qu'il va partir une fois là-bas, même avec 100$ d'épicerie des mains. Genre, fuck! Bon, fait que les deux petits bouts que vous venez de voir, c'était hier puis avant-hier. Ou en fait, avant-hier puis hier, là, peu importe. Ben, au fond, aujourd'hui, je voulais checker ça, mais il mouillait. Là, il mouille plus vraiment, mais tu sais, il arrête et il recommence, il arrête et il recommence. Fait que, on va juste checker, voir s'il part. C'est que je voulais aller me promener avec. Mais tu sais, j'ai pas le goût de rester installé sur l'autoroute, mettons qu'il arrête de marcher. Et puis. Fait que là, il faudrait que je reste pas trop loin dans le quartier, mais en même temps, j'ai pas le goût de me promener pendant l'heure de temps dans le quartier. Fait que. Là, si je vais plus loin, en plus, justement, vu qu'il mouille, j'ai pas le goût de marcher à la pluie. Fait que là, je sais pas. Peut-être bien que je vais pas le tester aujourd'hui. Je vais au moins mettre la batterie de lui sur la charge. Oh shit, t'as peur là. Je vais se parquer ça de partout. Ouais, faut au moins mettre lui sa charge parce que je me vois déjà à 6h demain matin arriver dans le Civic Turbo. Puis là, hop, shit, papa. Charge-tu là, hein? Ah, c'est ça, m'est arrivé demain matin à 6h le matin là-dedans. Papa, là, je vais avoir l'air d'un petit cave. Là, j'aurais pas préparé mon coup. Fait que, ouais, au moins j'ai pensé d'avance. On va être obligé de pousser le char, man, si pas, pas, bam, ça va être moins nice. Pour ceux qui se demandent là, pourquoi que je charge la batterie de même, là, c'est parce que, dans le fond, l'alternateur marche pas. En fait, l'alternateur marchait plus. Là, j'ai mis un alternateur Yose, il marchait pas non plus. J'ai mis un alternateur neuf, il marchait pas non plus. Puis là, ben, dans le fond, je me suis aperçu que c'est sûrement des fils. Ben, j'ai pas fait les tests encore, mais. C'est-à-dire qu'un alternateur neuf, une strap neuve, man, la strap est pas lourde, c'est rien. Pas mal sûr que c'est les fils, là. Il y a trois fils dans la plug qui seraient en alternateur. Fait que là, faudrait que je check ça, mais là, le turbo, il prend pas mal tout mon temps, man. Fait que c'est ça. En tout cas, lui, il y a pas d'alternateur. En tout cas, l'alternateur marche pas. Fait que je charge ma batterie. Mais ça dure quand même 45 minutes, une batterie, là. Surtout si j'ai pas de lumière, rien, là, je suis sûr que ça dure 1 heure et plus. C'est l'hiver. Les lumières allumées, genre juste les coins là, pis ça, genre les lumières allumées faibles là, quand tu baisses le bric-à-bras là, pas les grosses lumières quand tu les allumes là, en tout cas. Bon. Les lumières allumées, l'hiver, avec un petit coup de wiper une fois de temps en temps parce qu'il neige genre, pis tout ça là, ça t'a fait 45 minutes. Fait que, pis deux starts. Fait que c'est quand même bon là. Ça fait un petit bout de pareil. Thank you.
peut-être pas été à 100 heures, mais ça, c'était pas mal l'équivalent. C'était pas mal nice, man, les deux ou trois fois, man, dans le rev limiteur à côté. On dirait, là, c'est parce que... Tu sais, en même temps, d'un côté, quand je suis cut-off, j'ai le goût de le shifter, mais je sais que, tu sais, le cut-off est à genre 60, 65, là, je sais pas trop, vu que je veux un peu plus haut que 5005, là, en tout cas. Mettons 60, là. Mais je sais que, tu sais, là, je l'entends, le cut-off, mais mes roues, ils veulent juste à genre... 30-40, tu sais, je sais que je roule pas 60 encore, là. Fait que, tu sais, souvent je le lâche pas, mais ça fait genre 3-4 coups de cut-off, là. Je suis sûr, ben en fait, je suis sûr. Ouais, je suis sûr, man, sur caméra, j'ai déjà entendu, là, ça sonne pas tant fort. Moi, en vraie vie, c'est pas tant fort, là, c'est pas un gros two-step de malade, là, j'ai pas de two-step à rien, là, c'est juste que le son que ça fait, genre à 8100 tours, man, me semble que c'est violent, man. Sur caméra, c'est pas aussi violent qu'en réalité, mais. Comme peut-être vous pourrez voir ça à 100 heures. Mais en attendant, je pense que ça va pas mal faire le tour là aujourd'hui. Mon char est là, il est fiable, man. Je peux rien checker dessus. Il marche. Ça sert à rien de faire des tests, là. Tout est bon. Fait que. Ouais. Pas mal ça. Fait que ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker et t'abonner. Peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!